Ça va. Votre capitaine a besoin de vous. Quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Cette maudite tempête. Mais qu'est-ce que c'était? Et où est passée ma boîte? J'ai besoin de ma boîte. C'est vous qui me l'avez prise? Espèce de rat de fond de cale. C'est pas normal. Si près du but. C'est pas juste. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas mourir. Pas comme ça. Alors, on a touché à tab. Ok, bouclier. Ok, tab. Les petits points. Je mange. Ok. Espace Z. Par contre, je m'attendais quand même à avoir plus de choix de personnages, etc.
verra bien dans le futur, hein, et il vient d'ouvrir donc. Alors. Non, c'est la première fois que je joue là. Attends, mais si je vous entends très bas, je sais pas comment ça se fait. C'est un jeu MMO, hein. Déjà, les graphiques sont bien. Ah, je m'attendais. Pour les personnages, côté graphique personnage, c'est bof bof, mais le reste de la map est pas mal. Ils sont pas mal. Bon, ouais, ça va encore le personnage, mais je m'attends pour les personnages, je m'attendais à mieux. Mais sinon, graphiquement, c'est waouh. Par contre, tu bugs ou c'est moi sauter là-dedans dans un truc noir? Non. Ah, ça m'a blessé. Ah, je dois me battre contre un grand capitaine. Ah, mais faut pas esquiver ou quoi? Ouais. Je suis dedans, je suis content. Après une heure d'attente, quand même fait une heure d'attente, hein. Mais il a pas eu sa journée, quoi. Ah, le tuto vient de finir, je pense. Légèrement. Ah non, ça va. C'est le temps que la map charge.
bouge. On voit qu'il y a beaucoup de monde, hein. Ça pique un peu. Ça... Ah, on voit qu'il y a du monde dans le serveur, hein. Mon pauvre petit PC. Une autre personne a survécu. Oh, les dieux soient loués. Ça fait toujours plaisir de trouver des survivants. Cette tempête est moi. Oh, je m'appelle Charity, la guetteuse Douglas de la colonie des falaises du roi. Et à qui ai-je l'honneur? Il y a des façons plus agréables de faire connaissance. Mais c'est comme ça que la plupart des gens arrivent ici. D'ailleurs, j'imagine que vous vous demandez encore où est cette ici. On a passé les trois quarts de la guerre. Vous vous trouvez sur l'île d'Eternum. J'ai du mal à me souvenir du vieux monde ces jours-ci, mais je sais que c'était très différent. Ce qui est si différent. La bonne nouvelle, c'est que ici, nous ne vieillissons pas et nous ne mourrons pas. Du moins, pas de manière naturelle. Okay. La mauvaise nouvelle, c'est ce qui est arrivé au reste de votre équipage. C'est à dire. Eh bien, voyez-vous, ils sont revenus à la vie, mais sans leurs hommes. Ils errent sur la plage sans but. La meilleure chose à faire est de mettre fin à leur tourment pour de bon. Pourriez-vous vous en occuper? C'est moi? C'est lui qui bug quand même. Force. Ouais, à mort. Ah, j'adore. Donc, tu peux mettre tes caractéristiques. Il y a écrit force, 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 force. Ok, et je mets dans quoi? Ou c'est moi qui. Ok, bah, là, les armes, oui, caractéristiques, non, j'ai que des forces, donc je vais attendre. Maîtrise d'armes, ça va, métier, ça va, exploit, ça va. Donc il n'y a qu'un truc qui bug depuis le début. Allez, depuis le truc. Compagnie. Mais non, je viens de finir le tuto. Alors, et ils sont où mes quêtes? Explorer le repas indiqué sur la carte. Ouais, et elle est où ma carte? C'est quoi la carte? Elle est où? Ah, carte. Ouais, ok. C'est un point. Ouais. Ça fait quelque chose de Célix. On est bien d'accord que ton personnage officiellement est courant. Okay. Je vois ça. Arbre adulte. Ah ok. Ah ouais, mais pas un peu. Ah, un cochon. Ils sont bien faits. Pas mal. Ah. Tant mieux. Ça fait plus de réaliste. Alors, on est bien d'accord.
arbustes, des arbres, etc. Tu montes tes compétences en ramassant ou... Je me doute que tu as une limite de poids. Ah, bon, bah j'arrête de ramasser. Oh, il y a un gros cochon qui s'est... est apparu devant moi. Aïe! Oh! Hangar cochon. Oh, je suis parti au mauvais côté. Ah, il n'y a pas de minimap? C'est good ça. Ouais, tu te démerdes. Et comment tu passes par là? On peut nager ou on se noie? Aïe. Aïe. Vous n'y avez pris aucun plaisir.
Mais puisqu'ils n'ont plus d'âme, c'est le moins que l'on puisse faire pour eux. J'aimerais vous dire qu'on finit par s'y habituer, mais ce serait mentir. Oh, mais où sont tes bonnes manières, Charity? Je suis désolée. Après tout ce que vous avez enduré aujourd'hui, vous devez certainement mourir de faim, pas vrai? J'ai pas pensé à apporter de la nourriture, mais je peux vous montrer où en trouver. Allez chercher du silex et du bois, puis faites un couteau à dépecer au fécond. Ce sera déjà un bon début. Je dois faire quoi alors, du coup? Chasser un sanglier. Je viens d'en tuer un en plus. C'était quoi encore mon inventaire? T'as dû changer alors. Ça tout de suite. C'est tab. Ils ont bien fait un sanglier.
des gens rouges avec un... Ok. Donc. Sur une plage froide comme celle-ci, rien ne vaut un bon repas chaud près d'un feu de camp. Je parie que vous regretterez pas d'avoir pris le temps pour ça. Mais n'allez pas croire que la vie est un enfer par ici. Il y en a qui s'y font très bien. Et le temps est clément ici, aux falaises du roi. La plupart du temps. J'en ai bien peur. La tempête qui a fait échouer votre navire et tous les autres a été terrible. C'est l'altération qui provoque constamment ces ouragans le long de la côte. Mais ce dernier était le pire que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que l'altération? C'est ce truc rouge dégoûtant, cette espèce de magie démoniaque. Devenir altéré est encore pire que devenir dévoyé. L'altération forme un anneau autour d'Eternum et frappe tous les navires qui s'en approchent ou qui tentent de s'en échapper. J'en ai vu de fumer une cigarette. Y a-t-il moyen de le combattre? Les tempêtes font partie de la vie ici. Le mieux que nous puissions faire, c'est recenser tous les navires que l'altération a détruits. En fait,
Si vous pouviez fouiller ces épaves à la recherche de tout souvenir, la colonie aimerait les récupérer. Accepter la quête. C'est quoi le U? Thank you.
Aïe. Je suis au début. Je ne pousse. Ben moi je suis pas encore dans une faction ni dans la guilde donc. C'est un peu comme World of Warcraft quoi.
avez trouvé pas mal d'objets intéressants. La colonie des falaises du roi les préserve en souvenir. Vous voudrez sans doute vous rendre à la colonie bientôt. Promis, je vous retiendrai pas bien longtemps. Mais c'est agréable d'avoir un peu de compagnie. Je peux pas partir d'ici avant d'être sûr d'avoir purgé les lieux de toute altération. Vous devez vous douter que ce genre de choses ne me ravit pas au plus haut point. Je me demandais... Peut-être... Pouvez-vous m'aider? Je pense que ce qui reste de l'altération provient de la grotte marine, celle qu'on appelle Crash Tortue. Si vous pouviez y pénétrer et vous en occuper, cela me tirerait bien d'affaire. Mais... faites prudence. C'est la mer.
Ouais. C'est vrai que je vais me tromper de route. C'est à l'intérieur. Je suis arrivé à temps. Avez-vous détruit ce qui se trouvait à Crash Tortue? Oh, que les dieux soient loués. Quel soulagement!
Je pense honnêtement que si nous avions laissé cette source d'altération là-bas, elle se serait propre. Je sais pas d'où vous venez, mais ça a dû vous endurcir. C'est vrai, ça fait même pas une heure que vous êtes là et vous nous débarrassez déjà de l'altération. Ah, c'est un peu. Eh bien, j'en sais fichtrement rien. Certains d'entre nous croient avoir la réponse, mais allez savoir. Peut-être naît-elle de nos mauvaises pensées, à moins qu'il ne s'agisse d'une maladie cruelle qui nous dévore l'esprit. Le jute se le dit, mais si la source de l'altération a disparu, c'est vraiment mauvais signe. Il faut avertir la colonie des palaises du roi de ce qui s'est passé ici. Nous devons les mettre en garde. J'aurais préféré que nous y allions. Oui. Mon devoir m'impose de rester ici. Vous, allez-y. Apportez ce message à l'administratrice Saville. C'est tout à fait ça. Depuis longtemps que l'altération nous attaque comme ça. J'ai où cette fois-ci. Pareil, elle va. Elle est là-bas. Ah, quand il y a beaucoup de monde, je morfe quand même légèrement. Hein. Ouais, ça lâche légèrement, mais bon, le jeu vient d'ouvrir. Le temps que les serveurs et tout sont stables. Voilà quoi. C'est pardonnable. Je sais même pas. Le premier marchand que tu rencontres, c'est quand? Faut savoir vendre les objets qui sont dans ton sac. Ce que je reçois au début, tout le monde l'a eu, donc il vaut mieux les recycler, quoi. Donc en gros, à partir de niveau 10, je devrais choisir les mauves, c'est ça? Aïe! Non, non, c'est de ce soir.
Et genre. Aïe. Mais protège-toi. Hein. What? Qui arrive au même endroit. Ah, on est toujours au même endroit. Oh là! J'ai failli crever. On voit que allez, quand il y a beaucoup de monde, c'est là, c'est le moment où tu bug en fait légèrement. Ouais, légèrement. Ouais. Et le pire, c'est ouais, ils viennent pas de. Ouais. Ils sont pas tous du même côté, à mon avis. Alors, truffe, en folie, oui. Parler à LOS. Ouh, je suis dans le truc des verres, là. Ah, je prends cher, hein. Ouais, mais je prends cher. Hein. Non, non, c'est pas que. Aïe. Pas en attaquant, mais je prends cher en lag de proximité, quoi. Ah putain, moi j'ai 50 devant la cabane.
Non, non. Non. Je dois aller quelque part, mais je sais pas où. Ah ouais, je le vois maintenant où je dois aller. Oh, vite que je sors de cette ville. Toi, il y a déjà moins de monde, donc je vais légèrement moins. Donc c'est... Chaque fois que je vois un nouveau visage, je ne peux m'empêcher de me demander si la lueur rouge de l'altération brillera bientôt au fond de ses yeux. Laissez-moi voir. Oui, Charity signale que l'altération a failli envahir la plage. Le pire, c'est qu'un vieux fou nous a... Oh, c'est très probable. Il est temps pour nous de fermer les écoutilles et de barricader la colonie. Le point d'exclamation, c'est quoi, ça veut dire quoi? Une quête ou... Laissez-moi deviner. Vous m'apportez le rapport de la guetteuse, pas vrai? Je l'ai compris dès que j'ai aperçu votre silhouette, vous savez. De quoi? Je n'ai pas besoin de le lire. L'éruption de la montagne. Vous arrivez soit au meilleur. Non, il y a un point d'exclamation sur ma boussole. Bah, j'en ai que deux et ils sont sur ma boussole, mais j'ai un point d'exclamation qui me dit à 127 mètres. Bon, je vais aller voir. Ouais. Disparu. Ouais, il y a des dindons. Il n'y a pas que les dindons en fait. Eh, hey, il a piqué mon couchon. Fait mal ces zombies.
Il a dit quoi? En jouant 5 ou 6 heures, je peux devenir. Je être niveau 10? Je suis niveau 7 déjà. Ça fait même pas 1 heure. Ah, mais moi non plus, je fais des quêtes. Parler au l'aubergiste bidon. Ok. Ouais. Je vais aller à l'auberge du coup. Quoi, inscrivez-vous des hôtes? Nous y voilà. Même en terre étrangère, il faut apprendre à se repérer. J'ai lu le rapport de Charity, et selon elle, vous avez agi héroïquement. Que vous le réalisiez ou non, je m'attendais à cette question, si déplacée soit-elle. Oui, je me plais bien ici. J'ai longtemps vécu dans les îles des Lames, mais je ne m'y sentais pas le bienvenu. Ici, aux falaises du roi, les gens m'acceptent tel que je suis. C'est juste. Je vais mettre toutes les ressources de la ville à votre disposition. Comptoir, c'est un truc que j'ai pas dû faire, je pense. Allez. Et c'est qui doit m'inviter dans un guide où je dois d'abord être dans la faction? Exploiter des rochers pour récupérer les pierres. Pardon.
Hein? Ah, je pense que c'est dans le jeu que ça parle. Ouais, j'ai des choux. Je reviens. Yes.
fabriquer un atelier de bois. Je vais faire ça où? Ah ouais, ok. Rendez-moi visite quand vous voulez. Le tableau de la ville est également à votre disposition. Nous aurons toujours besoin de votre aide. Ce n'est que le début. J'en suis persuadé. Vous trouverez l'artisane Gomez près de la forge. C'est là qu'elle est vraiment dans son élément. Moi, je vous dis, j'aimerais bien que je puisse voir ça.
Pourquoi autant? Ouais, je vois, je vois. Voici donc la personne dont j'ai tant entendu parler. Celle. Exact. Elle pense que chaque colonie ne doit dépendre d'aucune autre. Et il est impossible. Mm-hmm.